Eh bien salut tout le monde, c'est WarGamer34, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, tout simplement pour faire un tutoriel sur le bombardier américain ADC Warthog, ou Thunderbolt, ça dépend de l'appellation. Et donc, que dire dessus, c'est un bombardier assez connu, vendu à la plupart des forces de l'OTAN, et à l'instar du Sukhoi, il m'a mis quand même un sacré bouton à réaliser, donc voilà, j'espère que vous apprécierez ce tutoriel, et puis bah, écoutez, on commence tout de suite. Alors pour faire ce petit tutoriel, vous aurez besoin, non vous savez quoi, au pire, vu que c'est comme le Sukhoi, j'ai vraiment beaucoup de matériaux, je vais pas prendre la peine de vous les énoncer, on va faire direct. Donc déjà, vous placez un bloc de béton noir, vous mettez deux boutons de chaque côté, ça change pas. Vous prenez des barrières en chaîne noire et vous faites comme ceci. Puis ensuite, vous allez venir prendre de la roche, ouais voilà, c'était de la roche. Et vous allez en mettre, vous voyez, juste ici. C'est-à-dire, on va dire, vous avez fait les deux blocs ici, vous avancez de 1, 2, 3. Donc voilà, comme ceci. Hop, et là, 1, 2, 3. Et au total, vous allez faire une ligne qui doit vous faire 24. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et au niveau du cinquième, vous remplissez totalement avec de la pierre. Voilà. En partant du bout, bien sûr. Ensuite, vous allez mettre un escalier en pierre taillé de cette manière. Un autre escalier en pierre... attendez, que je dise pas de conneries. Ouais, non, voilà, c'était ça. C'était ça. C'était une dalle en pierre taillée qu'il fallait mettre. Et vous rajoutez un crâne de squelette, juste là. Et puis, pour terminer avec le train d'atterrissage, bah écoutez, vous mettez... Merde, pardon, c'est à l'arrière. Vous mettez un levier de cette façon, vous en mettez un autre comme ceci. Déjà, ça, on n'en a plus besoin pendant un moment. Et puis, vous allez venir prendre... Vous allez venir prendre... Ah oui, voilà, c'était du bouton noir. Donc, vous prenez un bouton noir. Bouton noir. Dalle en pierre taillée. Du vert teinté également. Donc voilà, vous mettez trois blocs de vert teinté, ensuite vous n'en avez plus besoin, vu que c'est que pour le cockpit que ça vous sera indispensable, pour le coup. Ensuite, vous allez rajouter trois blocs de pierre, comme ceci. Et ensuite, quatre dalles en pierre taillée. Et là, attendez, ah bah d'ailleurs, j'avais pas pris de trappe en fer. Ah oui, c'est vrai, il y avait une enclume aussi. Donc, écoutez, c'est reparti. Placez 1, 2, 3, 4, comme ceci. Placez une enclume là, vous mettez votre trappe en fer. Et puis, écoutez, on fait comme d'hab, on procède méthodiquement, on fait d'abord l'arête centrale. Ensuite, vous aurez besoin de tapis gris clair et de reprendre un bouton. Donc c'est simple, tapis gris clair, bouton, et là, le reste va se passer au bout de la queue de l'appareil. Voilà, donc à partir d'ici, vous allez reprendre escalier en pierre taillée et dalle en pierre taillée. Également, des dalles de roche. Et oui, et encore des dalles en pierre taillée, voilà, simplement. Donc vous allez venir mettre 1, 2, 3, 1, 2, voilà, si j'ai pas de conneries, ça doit être 2, voilà, c'est 2, vous en mettez 2 autres en dessous, auxquels vous allez rajouter, au bout du bout, une dalle en pierre taillée, voilà, enfin, presque, si, c'est ça, donc, ensuite, en dessous, bon, il n'y a pas trop de détails pour la centrale, donc vous allez prendre 3 trappes en fait, vous comptez 3 blocs, les trois suivants, vous allez mettre les trappes. Ensuite, vous reprenez les dalles en pierre taillée, vous faites 1, 2, 3. Et le quatrième... oui. Et ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4 sous les blocs qu'il y aura là-bas. Donc, 3 blocs d'espace, 3 pour les trappes et 4 pour les dalles. Ah oui, ok. Donc là, vous allez faire... Alors, on reprendra cette partie après, vers la fin. En attendant, on va plutôt se concentrer sur le reste de l'appareil. Donc écoutez, là, vous reprenez vos dalles et vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Puis, avec des blocs complets, vous faites 1, 2, 3, 4. Et il y a une contradiction quelque part. Je vais essayer de savoir ce que c'est. Ouais, voilà, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, pourtant. Et c'est bien au niveau juste derrière le levier. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ah, à moins que... D'accord, ok, je vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. alors écoutez, je vois pas du tout, mais alors pas du tout comment...
vraiment un truc qui va pas. Bon, écoutez, j'essaie de voir ce qui va pas. Désolé de vous faire perdre votre temps. Mais voilà, je regarde ce qui va pas et puis ensuite on se retrouve tout de suite pour la suite du tutoriel. Bon, alors c'est bon, en fait, oui, c'était c'est bien ce qui me semblait. Il y a juste une erreur d'un décalage d'un seul bloc. Donc, est-ce que vous venez rajouter une dalle ici? Vous déplacez de facto tout de un bloc. Voilà, c'est chiant, mais je préfère m'être trompé ici plutôt que de m'être trompé concernant que de m'en apercevoir à la fin finalement. Parce que si déjà il est faux dès le début, ça va pas, ça va pas vous plaire et moi non plus. Donc vous allez venir reprendre tapis gris clair, pancarte en chêne noir, mais également. Ah oui, mais également cadre, drapeau américain. Bon, ça, il y a des tutos dessus, donc en soi, je vous explique pas trop. Je vais pas trop vous expliquer comment on le fait. Vous prenez également un levier, des trappes en fer, et ah oui, merde, les crânes, et je vous explique comment on fait avec tout ça. Trappe, tapis, levier. Sur les côtés, ah oui, c'est au niveau du dernier, merde. Voilà. C'est au niveau du dernier que vous venez mettre vos pancartes. Les drapeaux, vous les mettez. Ah merde, bah du coup, va falloir commencer le corps de l'appareil. Je pensais pouvoir tout faire avant, mais non. Bah écoutez, c'est pas du tout un problème. De toute manière, on l'aurait fait quand même. Voilà. Alors pour le corps de l'appareil, c'est vraiment une symétrie du coup, comme d'habitude. Sauf que cette fois-ci, vous venez prendre de l'empierre taillé, vous en mettez une ici, une là. Vers le dessous de l'appareil, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 8, 8 escaliers en dessous. Vous venez en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors oui, les deux extrémités, vous mettez en forme de coin. Et là, par contre, celui de devant, vous le dirigez dans la direction où l'appareil pointe, tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, au-dessus, vous gardez vos escaliers, et vous allez tout simplement faire 3, 4, puis... Ah oui, ok. Donc faites 1, 2, 3, 4, puis 1. Puis vous prenez des blocs de netherite, vous les mettez chacun de ce côté. D'ailleurs, vous pas ce français ça, vous oulez. Vous allez directement placer les boutons en pierre noire directement dessus. Vous prenez les crânes. Putain, ça par contre c'est un bug qui devrait vraiment changer à Mojang. Et puis écoutez, vous reprenez la pierre et on va continuer. On s'attardera sur les détails un petit peu après. Donc là vous faites 1, 2, 3, puis vous reprenez avec vos escaliers à 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'endroit. Donc ici vous mettez un angle vers l'arrière de l'appareil. Et ici, vous mettez aucun angle. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Et bah, c'est bien. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir mettre les fameux détails. Alors, vous aurez besoin d'une bannière grise. Et le reste, on l'avait déjà. Donc, la bannière américaine et le cadre. Ah oui, également tapis gris clair. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simple, vous mettez des crânes de squelette en diagonale de cette manière, vous mettez des tapis gris dessus, vous mettez, alors c'est sur ce bloc, vous mettez cadre et vous tournez la bannière US jusqu'à ce que ce soit à l'horizontale. Voilà. Puis ensuite vous n'en avez plus besoin, donc à la rigueur vous pouvez supprimer, c'est pas vraiment ce passé qui va vous pourrir votre inventaire. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez. Ah oui, donc la bannière grise. La bannière grise, elle se met juste à côté. Voilà. Et puis ensuite, on n'en avait plus besoin. Ah si, pardon. J'ai rien dit, vous en aurez encore besoin tout à l'heure. Donc vous reprenez avec la roche. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. 6. Et ensuite, vous continuez avec un angle vers l'extérieur pour les escaliers d'un, 2, 3. Puis avec les dalles, 2, 3. Voilà. Donc ça vous fait 6, 3, 3 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Non, merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, voilà, c'était ça. Ouais,
Voilà, donc ici vous allez venir mettre encore une dalle, puis vous allez mettre trappe en fer. Vous pouvez faire bien évidemment la même chose de l'autre côté. Et hop. Putain. Ah, c'est bon. Ok. Bon, bah écoutez, je regarde si j'ai pas fait de faute et si. Bah oui, si j'ai pas fait de faute, et puis je reprends tout de suite pour la suite du tutoriel. Allez, à de suite. Tout le monde, bon alors c'est bon, on peut continuer. Alors, pour la suite de ce tutoriel, on va continuer avec les ailerons et les ailerons arrière et le réacteur. Donc rien de plus simple, vous prenez escalier en pierre taillée et vous allez mettre à l'envers. Vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il me semble que c'était 5. J'ai vraiment pas mal de doutes. Le problème quand on fait des trucs aussi grands que ça et qu'on se souvient pas des modèles, c'est que. Ah non, pardon, en plus je suis avec 3. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, voilà, c'est après les dalles en pierre taillée. Donc ce que je voulais dire, c'était que lorsqu'on fait des modèles énormes comme cela en tutoriel, c'est généralement assez compliqué, voire même, je vais dire clairement, très compliqué de se souvenir vraiment de chaque détail qu'on avait fait, surtout si ça remonte à il y a un sacré bout de temps. Hein. Parce que, entre temps, bah, je refais pas vraiment les créations, je les fais et puis c'est tout. Donc je sais pas si je devrais les refaire histoire d'avoir le mouvement, entre guillemets. Mais voilà, vous me demanderez au pire dans les commentaires. Enfin, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. C'est plus français. Donc sinon, une fois que vous avez fait ça au niveau des trois escaliers à l'envers, vous mettez tout simplement des dalles. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez venir mettre de la pierre sur ce derrière, sur les deux derrière. Ah non, pardon. Ok. Je vois où est mon erreur. Vous mettez les deux comme ceci. Puis vous continuez avec les escaliers en pierre taillée. Donc vous en mettez un. Merde. Alors vous en mettez. Ah oui. Effectivement. Donc déjà vous allez venir au-dessus et sur les extrémités de l'appareil. Puisque vous allez tout simplement rajouter en fait les contours du réacteur. Donc en fait vous faites deux. Voilà, deux escaliers retournés. Vous en rajoutez deux autres comme ceci. Vous en remettez comme ça. Voilà, ça me revient. Voilà, vous faites ça. Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre les escaliers en pierre noire. Vous faites ceci pour faire le bout du réacteur. Voilà, nickel. Ensuite, escalier en pierre noire, vous n'avez tout simplement plus besoin. Vous n'avez plus besoin. Et là, vers l'avant, donc. Vous mettez escalier à l'endroit, escalier à l'endroit, escalier à l'envers, et... Ah putain, ça par contre c'est vraiment relou. Escalier à l'envers, et vous... ouais, vous l'avancez de... Ouais, voilà, ça doit faire deux. Ça doit faire deux. Donc en gros, vous refaites exactement la même chose de ce côté. Voilà. Donc, vous faites la même de l'autre côté. Là, il n'y a vraiment aucune difficulté, c'est juste de la répétition. Une fois qu'on a fait un côté... L'essentiel est passé. L'essentiel du truc compliqué, il est passé. Putain, par contre, c'est vraiment pas facile. Voilà. Et enfin, le dernier. Chier. Voilà. Bon. Ok, bon, maintenant que les réacteurs sont terminés, enfin, on va s'attaquer tout simplement aux ailerons. Alors pour les ailerons, il n'y a rien de plus simple entre nous. Vous prenez vos dalles en pierre taillée, et à partir de... Ben voilà, à partir de la dernière dalle que vous aviez posée ici, vous allez remonter 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, confirmation qu'on les a. Et vous allez partir sur les côtés... avec des lignes de 3, donc sur les 3 dernières, qui vont faire 1, 2, 3, 4... ouais, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Voilà. Et voilà. Ah oui, donc ensuite... Ah oui, c'est vrai, j'avais pas précisé ça par contre. Vous prenez votre trappe en fer et vous reprenez. Non, pardon, vous prenez juste votre trappe en fer.
Et vous rajoutez ici 1 et 2. Et 1 et 2. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez passer en dessous, donc avec 1, 2, 3, 4, 5. 5, comment, 5 dalles. Donc 2, 3, 4, 5. Il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'appareil. 2, 3, 4, 5. Excusez-moi. Puis vous allez mettre 3 blocs, pardon. Vous allez mettre 3 blocs au niveau de vos dalles. Puis vous allez surélever encore de 2 rangées pour finalement finir avec 2 blocs en haut. Et un seul au milieu en bas avec à l'avant un escalier et à l'arrière une dalle. Ce qui va nous donner à peu près ça. Donc déjà vous mettez vos rangs. Vous mettez un deuxième et un troisième. Voilà, que je dise pas de bêtises. Ouais, voilà. Puis ensuite, vous surélevez encore d'un. Comme ça, avec les deux. Vous mettez un là. Escalier. Et demi-dalle. Dalle tout court, pardon. Une fois que vous avez installé ça, vous faites la même chose de l'autre côté. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Ok. Et puis, je crois que c'est bon pour l'arrière. Si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. C'est fini pour. Pour la place arrière, et on va tout simplement pouvoir passer peut-être au bas de l'appareil. Attendez, est-ce que c'est plus judicieux selon vous de passer au bas de l'appareil ou de continuer avec les ailes? Personnellement, bon, allez, je pense qu'on va peut-être faire le bas de l'appareil parce que, comme vous avez vu, c'est assez bordélique après, même pour mettre les ailes. Parce que moi j'ai rajouté les missiles et tout, donc ça fait d'autant plus de détails, c'est d'autant plus chiant à réaliser. Sur le bas. Ah mais non mais je crois en plus, on avait déjà réalisé le bas de l'appareil. Bon bah écoutez, on va terminer simplement avec les ailes. Hein. Alors vraiment, s'il n'y a pas grand chose de compliqué là-dedans, vous prenez à partir du second bloc du second bloc d'escalier en pierre taillée, à partir de celui-ci, vous allez prendre comme repère la pierre et vous allez faire du 3. Donc je veux dire vous allez faire ça. Et vous allez rajouter un escalier à l'envers, comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez continuer encore avec, donc, 1, 2, 3, 4, par 1, 2, 3, 4, ok. D'accord, donc ensuite, vous allez continuer avec 4 rangées de 4, tout simplement. Et on retaillera tout ça. Là, vous allez voir, on va tout bien retailler, ça va être nickel. Pour le moment, c'est assez bordélique, mais vous verrez que ça a quand même sa petite utilité. Donc une fois que vous avez fait ça, ah oui, bah je crois en plus j'aurais pu mettre ça. Vous avez les juste 2 dalles à rajouter sur le milieu, à la base de l'aile. Il faut faire les accroches de l'aile quand même, un côté plus esthétique. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc là, vous allez devoir rajouter un autre escalier. Puis là, vous allez rajouter 3 dalles. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à rétracter un peu les ailes. Avec 2 escaliers en pierre taillée. Et une dalle, une dalle en pierre taillée, tout simplement. Bon, franchement, c'est simple à faire. Vous mettez ça ici, vous mettez les 2 escaliers comme ça. Puis vous allez surélever le tout avec encore des dalles, hein. C'est pas logique, vous faites 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3, ligne de 3. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous continuez avec 2 lignes de 2, puis avec des escaliers. Vous faites 1, 2, 1, 2. Et vous rajoutez vos escaliers. Alors là, je pense que je ferai une ellipse pour terminer le tutoriel pour la deuxième aile. Enfin bref. Là, vous aurez besoin de trappes en boulot, ainsi que de bannières gris clair. Voilà. Donc, vous placez les trappes... Merde. Placez les trappes vers l'intérieur, comme ceci, pour qu'elles se déploient vers l'extérieur. Et vous placez les bannières juste ici. Voilà, c'est histoire de pouvoir déplier les ailes. Le bout des ailes. Et puis ensuite, vous n'avez plus besoin ni des trappes en boulot, ni des bannières grises. En continuant sur cette lancée, on va peut-être modeler un peu plus l'aile, quand même, histoire que ça ressemble à quelque chose, un véritable avion de chasse. Donc, d'ailleurs, la roche, vous n'en avez plus besoin, bloc de nésorine non plus, enclume non plus, tapis encore moins.
Cadre lumineux, on aura besoin tout à l'heure. Donc, bah écoutez, c'est parti. Vous en mettez deux ici. Ouais, voilà, vous mettez deux dalles ici. Désolé si je parais assez confus, mais disons qu'encore une fois, je me souviens pas trop de tous les détails que j'avais fait à l'époque. Donc, peut-être que je devrais revoir un peu les plans avant de me lancer sur les tutos. Peut-être que ça m'empêcherait de bugger. Donc voilà, là vous avez fait le haut de l'aile et là vous allez redescendre. Donc écoutez, apparemment ici il fallait laisser tout en bloc. Et voilà, il fallait laisser comme c'était. Et puis, ah oui, donc voilà, c'est le train d'atterrissage. Et là, je crois pas qu'il y avait autre chose à modifier. Non, voilà, il n'y avait rien d'autre à modifier. Donc là, on va terminer la dernière partie, donc c'est-à-dire le train d'atterrissage. Et les missiles tout simplement. Bon, les missiles, ça va, c'est assez répétitif dans le fond, mais c'est vraiment pas ce qui prend le plus de temps. Vous allez prendre mur en diorite et un crâne de squelette, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 de longueur. Il suffit simplement de se mettre dans les interstices, donc faites 1, 2, vous faites dépasser d'un comme ça, un ici. Et je crois que c'est derrière que vous en rajoutez 2, 3, 4, 5. Alors vous en mettez un ici, vous en mettez un deuxième là. Du coup, vu qu'ils sont au même niveau, vous pouvez les mettre bah, à égale distance. Ah non, ouais. Ça par contre, 1, 2, 3, 4, 5. Ah si, j'avais raison. Ok, j'avais raison. Et puis ici, ouais, voilà, vers l'avant de l'appareil, surtout. Vers l'avant, on a quoi? Ok, donc ici on touche pas, troisième, quatrième on touche pas. Là par contre c'est que des dalles et ensuite c'est les escaliers. Voilà, pour les dalles c'est bon. Et ensuite le reste ça va pas bouger. Ah si par contre j'avais oublié, il y a un dernier missile voilà, qui se met juste ici. Donc encore une fois il fait 5 de longueur, donc vous pouvez le rajouter. Attendez, j'arrête pas de faire des allers-retours, c'est relou de ouf. Donc oui, voilà, c'est sous la base de l'aile. Voilà, parce que moi j'allais le placer carrément à côté de l'avion. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai vu que j'ai loupé un bout de l'autre côté. 5. On rajoute le crâne. Et au final. Et puis bah au final, écoutez. Ah j'en ai marre. J'en ai marre toujours d'avoir le crâne de squelette tout le temps là qui revient. Donc oui, au final, le train d'atterrissage. Bon écoutez, vous gardez vos dalles. Ah oui merde, distributeur, j'avais ça. Ouais voilà, c'est bon. J'ai un distributeur. Donc vous vous mettez en partant du corps de l'appareil, vous comptez 1, 2, 3, et au niveau du troisième bloc de l'aile, vous... Bah écoutez, je vais faire direct, ça va être simple. Faites 1, 2, 3, vous faites ceci, vous rajoutez le cadre, vous mettez le distributeur, et derrière il n'y a rien qui change, il n'y a absolument rien qui change. En revanche, en dessous, vous allez venir mettre 3 dalles. Voilà, donc 1, 2, 3. Puis vous allez mettre le fameux train d'atterrissage en question. Avec escalier comme ça juste derrière. Vous mettez bloc de béton noir. Bouton en pierre. Bouton en pierre. Prenez portillon en chêne noir. Et puis bah écoutez, vous avez tout simplement fini l'aile de l'appareil. Bon écoutez, pour éviter de prendre trop de temps sur le tutoriel, je vais faire la deuxième. Et après une ellipse, on se retrouve pour terminer, pour ceux qui veulent, les motifs de requin, en fait, de gueule de requin sur l'appareil. Allez, à tout de suite. A few moments later. Re tout le monde. Bon alors c'est bon, j'ai fait la deuxième aile du Warthog. Et maintenant, on va tout simplement passer à la partie, on va dire, une des plus faciles pour les bannières, vous savez, les motifs de gueule de requin qu'il y a parfois sur les avions. Alors, vous aurez besoin de teinture grise claire, teinture blanche, teinture noire, bannière rouge, bannière gris clair, un motif de bannière de symbole. Et attendez, là, on va prendre déjà tout ce que c'est censé nous donner. Donc, déjà, l'œil, voilà. Bon, c'est dommage, vu que le motif de Mojang ne nous permet pas de le mettre des deux côtés, ça fait un truc assez brainfuck, comme quoi ici, il fronce le sourcil. Mais ici, il part limite à peu près, donc du coup, voilà, c'est un peu, on va dire, l'un des seuls problèmes. La gueule, voilà, la gueule de l'appareil, et chaque côté, du coup, du bout des lèvres, tout simplement.
Donc écoutez, on commence tout de suite. Alors on va commencer vraiment par le plus simple de archi simple. Vous prenez une bannière rouge. Vous prenez du colorant noir. Faites ceci. Vous prenez teinture blanche. Et vous êtes... Merde. Et vous êtes censé avoir... Voilà. Faites ceci. Et vous continuez avec ce motif de bannière. Ce qui va vous donner la gueule de l'appareil. Donc où est-ce que ça se place? Bah, vous mettez tout simplement ça ici et ici. Puis la même chose. Merde. La même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va passer aux deux côtés des mâchoires et on terminera par le plus compliqué, à savoir l'œil. Donc, vous prenez tout simplement une bannière. Non, pardon. Vous preniez. Preniez. Vous preniez. Vous prenez, pardon, une bannière rouge. Vous reprenez teinture noire. Vous allez faire le même début avec la ligne noire. Sauf que cette fois-ci, vous allez prendre du colorant gris. Et vous allez tout simplement prendre tous les côtés, voilà, où vous pouvez refermer en fait partiellement la gueule. Donc là, on vient de faire pour ce côté, et il va falloir faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc je remontre, hein, encore une fois, c'est pas compliqué du tout, pas compliqué du tout à faire. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris des... Ah si, la bannière grise, ça va nous être utile après. Donc oui, je répète, bannière rouge, teinture noire, vous faites la ligne comme pour la gueule grande ouverte, vous prenez de la teinture grise, enfin grise clair. Vous faites ce motif, et puis bah du coup, de l'autre côté, vu qu'on n'avait pas fait l'autre côté de l'appareil. Voilà, je crois que ça paraît assez évident et ça paraît assez logique. Et enfin, l'œil. Alors c'est un motif que j'ai trouvé tout seul, voilà, et que je trouve franchement assez stylé. En fait, ça consiste tout simplement à prendre une bannière grise, à mettre... Ah oui. À mettre une teinture blanche, vous mettez le rond, vous savez, vous avez un... Non, pardon, c'était le... Je suis plus sûr. Ah, si, si, si. C'était le losange. Vous prenez le losange. Puis ensuite, vous allez venir prendre la teinture noire. Vous allez faire ça. Puis vous allez prendre encore de la teinture gris clair. Vous allez refermer de ce côté. En dessous. Et avec le motif de symbole, vous allez tout simplement placer de la teinture gris clair. Et voilà, ça vous donne tout simplement votre œil. Alors, franchement, c'est assez, comment? C'est à la fois facile et difficile à faire ce genre de choses. En plus, vous voyez que c'est un peu dégueulasse parce que du coup, il y a une partie qui dépasse. Mais en soi, je trouve que c'est quand même pas mal du tout pour des motifs. Surtout que c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir sur des tutoriels Minecraft, notamment pour des avions de guerre. Donc voilà, ça a mis le temps qu'il fallait. Donc encore une fois, tout comme le Sukhoi d'ailleurs qui est là-bas, qu'on avait fait la dernière fois, ça a pris le temps. Mais franchement, j'espère quand même que le tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Et puis bah, également, comment partager ce contenu avec d'autres gens qui sont fans de ce genre de création sur Minecraft. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime, ciao.